Salut à tous, cette semaine, C'est Sport a suivi un sportif assez incroyable. Il s'appelle Romain Bessière, il est bas normand et il parcourt le monde en skateboard. C'est parti. Comme d'autres prennent la voiture, lui se déplace toujours sur sa planche. À 26 ans, Romain Bessière est un fou de skateboard. Celle-là, c'est ma toute première planche de voyage. Alors celle-ci, c'est la planche qu'a fait l'Inde. La fameuse planche qu'a traversé le Japon, Australie. La toute dernière. C'est un musée ici. C'est un musée. C'est un musée, c'est 10 ans de voyage. Des voyages et du skate. Depuis 10 ans, Romain sillonne donc la planète sur sa planche à roulettes. Des dizaines de pays traversés à la force du mollet. Au départ, c'est un pari complètement fou. Oui, j'étais le premier au monde. À faire quoi? À faire des traversées de pays sur mon skate et tout le monde me prenait pour un barge. En voyage, Romain parcourt jusqu'à 180 km par jour. Au début, c'était surtout l'exploit sportif. Ensuite, c'est la rencontre des gens, pas savoir où je vais à l'avance, quoi. Car son objectif est aussi de se faire héberger. C'est un peu j'irai dormir chez vous. Oui, en skate. Les gens sont encore plus étonnés de me voir arriver. J'ai même pas limite, même pas besoin de leur demander. Ils m'invitent directement chez eux. J'ai dormi la simple tente parce que sur certains voyages, je me balade avec ma tante. Jusqu'à chez des millionnaires, ils m'emmènent sur leur bateau privé au milieu d'un lac pour boire un cognac à plus de 100 ans d'âge, quoi. C'est l'aventure. Voilà. En attendant de voir Romain en action, retour sur la course à pied Alençon-Médavie qui s'est déroulée cet après-midi dans l'Orne. Retour dans les rues de Caen. Retour au skateboard. En compagnie de Romain Bessière, ce jeune sportif originaire d'Isigny-sur-Mer dans la Manche, qui sillonne le monde sur sa planche, un longboard. En ville, comme à la montagne, ou même sur des autoroutes en Australie ou aux États-Unis, Romain a parcouru des milliers de kilomètres sur les 5 continents, partout où c'est possible. Avec forcément des dizaines de souvenirs et quelques grosses frayeurs. Est-ce que ça fait peur parfois? Ouais, un peu tout le temps, un peu à chaque voyage. Par rapport à certains automobilistes qui me frôlent ou certaines chutes. Ou des fois parce que je me fais peur parce que je veux faire une course avec un vélo. Et ça dure 50 km et je pousse le truc jusqu'à tomber, quoi. En descente, Romain peut atteindre plus de 100 km/h sur son skate. Les chutes sont parfois inévitables. Plus ou moins graves, Romain, lui, en compte déjà quelques dizaines à son palmarès. Gros plan maintenant. On reste à Cherbourg, mais on grimpe sur les hauteurs. Pour retrouver Romain Bessière, notre globe skater. Cherbourg et ses petites routes vallonnées, c'est le terrain de jeu préféré de Romain dans la région. C'est de l'adrénaline? L'adrénaline de pas savoir ce qu'il y a après au prochain virage. Vitesse de pointe aujourd'hui, près de 70 km/h. Ça mélange plein de techniques, de la descente, de l'endurance, du slalom, que du bonheur. T'es un sportif complet? Pas complet, parce que j'ai une jambe plus musclée que l'autre, mais... Pourquoi? Du fait que je pousse que d'un côté. En France, les skateurs ne vivent pas encore de leur passion, contrairement aux États-Unis. Romain, lui, exerce la profession de prothésiste dentaire. À Cherbourg, Romain Bessière, notre skateur, enchaîne les descentes à plus de 70 km/h, parfois à la limite de la chute dans les lacets de la montagne du Roule, son spot favori dans la région. Comment vous le trouvez?
Ah oui, si. Comment je le trouve? C'est génial. C'est vraiment incroyable. Même je ne pourrais jamais faire ça. Soit il est vraiment très courageux, soit il est complètement fou. Allez, place au reste de l'actualité sportive dans la région et on commence par de la voile. Retour avec Romain, notre skateur cascadeur. L'émission se termine par un petit florilège de ses plus beaux ratés pendant ce tournage. Salut à tous, cette semaine, c'est sport. Sportif incroyable, mon cul, oui. Un tournage rendu très difficile cette semaine par la pluie. Alors Romain est tombé parce qu'il pleut un peu et c'est François, notre preneur de son, qui s'occupe de réparer les dégâts. Merci François. C'est sport. C'est fini pour aujourd'hui.